acteurs normaux? Non, Écoutez bien. des rapides, Non, je pourquoi? vous mettez, vous mettez pas des hackettes? Non. Bon, en tout cas, Ça dépend ce que moi tu veux non. faire. Parce que les hackettes, ils répartissent en plus sur les deux lignes, mais mélangent aussi les deux côtés. Ouais, je sais, mais je sais pas, je préfère toujours le faire à la bonne vieille façon. Plus les hackettes, des fois, je pense qu'ils causent plus de lag, donc sur le coup, je préfère comme ça. C'est le même algorithme. Non, c'est un peu plus compliqué sur le coup, puisque tu dois répartir. Ces deux conditions, c'est rien. Ouais, c'est rien Enfin, pour non, je eux. cherche. C'est rien pour eux, mais t'en rajoutes 1000 et voilà. Je vais optimiser pour un. Mais bon, en tout cas. Ouais, c'est vrai que ça bouchonne un petit peu ici. Et c'est vrai que le cuivre, il tourne pas mal au ralenti. Bon, pour l'instant, il y en a encore pas mal en réserve, on va se dire. Mais... Tu vois, c'est en fait une sorte de tempo, un coffre qui stocke les minerais et qui rebalance après. Sauf que il n'y a pas de place. À moins de virer une Ouais. mine de crusher là. Le sorting. Ouais. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on devrait faire ça sur le coup, mais. J'ai cassé un bras robotisé en bas, j'ai pas de quoi le réparer, hein. J'ai plus rien sur moi. Oh, c'est pas grave. Tu feras juste. Laisse un petit signe à côté pour que je puisse savoir où il est, c'est bon. Sinon, je sais pas, normalement le train il passe pas trop souvent, ça devrait pas te bouchonner tout le temps. Il y a ma voiture dedans. Ok, c'est un assez gros signe, ça devrait marcher. Ah, je posais une machine d'assemblage dedans, comme ça tu le verras. Ok. Ouais. Bon, il y a le train là qui est Ouais, en train. 39 000 dans le wagon quand Ouais, mais normalement il reste 60 secondes. Attends, là je le vire. Comme ça tout va tranquillement commencer à se vider. Je vais même te mettre mon autre train, je vais le bloquer sur la station. Comme ça c'est plein pour l'instant et ça devrait. Voilà, ça va se calmer dans un petit moment. Mais bon, de toute façon, c'est pas comme si on avait un problème de cuivre pour l'instant. C'est pas un souci. Bon, en tout cas, je vais redescendre en bas. Retourner travailler sur la prochaine zone de four où on devrait plus avoir ce problème ensuite. Je l'espère en tout cas. Hop. En fait, il y a beaucoup de bases à droite. Ouais, il faut pas foncer partout, hein. Pose toujours des radars comme ça sur les extrémités des maps pour bien voir. Bah, la preuve, parce qu'à droite. Ouais. Par contre, les fissures, vous savez, c'est quelle machine qui va avec? C'est la grosse machine, attends. C'est les Thermal Thermal Water Water. Extractor, voilà. Ouais. Que ça, c'est une ressource infinie, ça, du coup. Je pense oui. Alors. Ça arrive là, celui-là va arriver là, les deux autres au-dessus vont arriver ici. Donc celui-là peut passer. Hop, voilà. Prévu comme ça, pas plus compliqué. Hop, voilà. Ça passe. Ça Les passe. ressources sont infinies en fait, même le rubik là j'en vois d'infini. Oui. Ouais, c'est ça, mais ils en ont pas forcément une grosse quantité chacune. C'est ça le truc. Parce qu'au final, c'est pas tout le patch Je qui veux va dire être en infini, fait, c'est juste une petite partie. les ressources de base qui est au centre de la map, elle, il n'y en a aucune d'infini, c'est ça? Oui, C'est ça. c'est tout. Tous les autres sont infinis. Plus tu vas t'éloigner, en fait, plus le rendement sera important. Par contre, là, ça passe pas sur le coup. Moi, parce que dans l'autre tir, en fait, j'ai augmenté le nombre d'ennemis, du coup, j'arrive pas à m'éloigner de la base. Ah, ok. Et mes ressources de base sont quasiment épuisées. Ça, il va falloir que ça soit au moins à cette distance. Ok, à distance du dernier. Quand même, j'ai produit 300 de cuivre et 150 minerais de fer, Ouais. entièrement automatisé. C'est rien, mais. Tu reviens une heure après, la base, elle est remplie. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est pas ce qui va nous sortir de du manque de matériaux pour l'instant. Il manquait de ressources pour l'agrandir. Je vais pouvoir l'agrandir. C'est quoi qui te manque? Circuit électronique, je n'en avais pas en fait. Ok.
Maintenant que j'en ai, c'est bon. Hop. Ramasser tout ça. Hop. Allez, finir de récupérer tout ça. Et. Ah, d'ailleurs, le dernier, j'aurais. Petit bout, j'aurais pu le laisser sur le coup. Hop. Et voilà. Donc, lui. Pas jusqu'à là. Voilà. Hop. Non. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Alors. Tac. Et ensuite un autre, la merde de tapis que je suis en train de faire, voilà, hop, ça c'est bon, et c'est seulement 4 tapis par matériau d'entrée, hein. C'est pas énorme, c'est pas tant que ça. Et d'ailleurs une autre particularité du Bellstarter qui vend bien, c'est qu'il a un historique. Ouais. Et l'historique te sert à quoi en fait? Mais quand tu en poses plein qui trient la même chose, t'as l'item récent en fait pour les remettre. Ok. Ok. Ok, ok. Donc en tout cas, ça va sortir ici. Ouais, j'ai mis des. Pour les fours de fer, j'ai mis des bras bleus. Donc c'est bien ça. Ça va un petit peu plus vite. Ouais, ok, c'est vrai que j'avais pas pensé à faire ça. Bonne idée. Hop. Eh, j'en ai vraiment marre de devoir casser tous les arbres qui sont à côté de moi là. Il y en a partout. Il y en a partout. Bon, en tout cas. Disons, l'étape des crusheurs est faite. Ensuite, prochaine étape, c'est les flotation cells. D'accord. Alors, ça monte ici. Ça monte de ce côté-là. Ok. Donc, les flotation cells que j'ai où? Que j'ai pas fait. Que j'ai pas fait. Alors, pétro, bio, water treatment, barling, c'est dans quoi? Ah, si. Sûrement, ouais. Cristalliseur, flotation, voilà. Bah, tout se trouve dans ressources, de toute façon. Ouais, ouais. T'as besoin. Ah, mon petit chat s'est réveillé. Bon, alors. Les cristalliseurs, filtration, unit, tout ça, ça par rapport ou ça a rapport? Je suis une question, il est quelle heure chez vous au final en fait? Chez moi il est 5h, donc il est 11h en France. 11h13. Voilà. Nous c'est l'après-midi et nous c'est la nuit. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Donc. Alors. Les flotation cells. Ouais, il faut de l'eau, il faut un peu. Ça fait un peu d'acide sulfurique à ce qui paraît. Ok. Donc, ouais, un petit peu d'acide sulfurique, quelques petites géodes et les matériaux ressortis. Ça, est-ce que ça traite pas mal ou pas du tout, les flotation cells? Produit 2 par 2 secondes, donc ça a pas l'air super c'est rapide. Lent. Ouais, ça a l'air assez. Non, c'est lent, il en faut plein. Oh merde. En plus, c'est assez gros, c'est 5 par 5. Ouais. Ok, on va s'amuser. Hein. On va s'amuser. Ça, c'est quoi les 40 chaque? Savoir à partir de quelle hauteur je peux aller. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là 1, 2, 3, 4. Voilà. On va faire ça comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Celui-là s'en va là. Celui-là s'en va là. Et ensuite.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le dernier qui arrive là. Et ensuite, il descend ici. D'accord. C'est pas gros du tout. Ah, Bartus. Mm-hmm. Ça, regarde, ça s'est vachement amélioré là. Ouais, du coup, quand même, moins de minerai qui arrive. Bah, comme j'ai mis les bras bleus sur les fours. Ouais, là, c'est mieux traité. Ah, mais bah, surtout qu'il y a moins de minerai qui arrive. Du coup, ça, le... mm-hmm. notre cuivre peut se décharger. Ouais, mais j'ai bloqué le trait en bas. Nice. Tout simplement. Alors. Ok, alors, il flotation cell. Sur le coup, ça prenait pas trop de place. Par contre, les flotation cells, ça en prend beaucoup. Actuellement, j'en ai 8. J'arrive à peine à rattraper mes orcrushers. 8 pour alors, un orcrusher? Non, j'en ai 8 pour 4 orcrushers là. Ok, donc c'est plutôt 6, je pense. À peu près. Ok, donc c'est quand même un gros ratio. Par contre, est-ce qu'on peut les mettre à la chaîne ou pas? Non, hein, parce que ça sort de la sécurité. Oui, il y a moyen. Si c'est la même chose, il y a moyen de les mettre à la chaîne de cette manière. Tu veux voir comment je les ai mis au pire? Ouais, attends, j'arrive. C'est la manière la plus compacte de les mettre. Ouais, mais ça, comme ça, je pourrais pas, mais comme ça, je pourrais mettre. Ok, en tout cas, je vais venir voir comment tu les places. Sur le coup, essayer d'optimiser ça un petit peu. Par contre, c'est assez long à pied. Il n'y a personne en haut qui a une auto. Tu fais une, moi, parce que j'en avais marre de tapier. Parce qu'en fait, je me suis jamais fait les moteurs sur le coup. Je te l'avance, c'est une bonne occasion. Tiens. Ouais, merci bien. Oh, merci. Rentre dans la voiture, il pourrait mettre un arbre. Ah ouais, direct. C'est pas moi qui l'ai endommagé, hein. Elle était déjà comme ça, pourtant. Pour une fois. Alors, hop. Ah, et non, j'ai esquivé un arbre pour foncer dans le suivant. Ah, c'est incontrôlable les voitures, hein. Non, c'est contrôlable, en multi, ouais. C'est pas facile. Attends, là par contre, dans la forêt, ça va pas passer. Voilà. Juste pour voir, vous l'avez senti le lag ou pas? Non. Je sauvegarde, en fait, j'ai une seule manie. Sans arrêt de faire les sauvegardes, mais c'est inconsciemment. Mm-hmm. Du coup, je fais une sauvegarde sans faire exprès. Non, j'ai même pas vu. Attends, j'arrive voir ça. Comment tu les places? Que tu peux faire okay, la sauvegarde ouais. Et les modifications en solo. Ouais. Alors, ouais. Ah, ok. J'avais pas pensé comme ça, c'est vrai. Ouais. Comme ça, ça utilise la même sortie. C'est pas bête du tout. C'est propre en plus comme ça. Hein. Mm-hmm. Pas tant de cap que ça. En plus, il va falloir les hydroplanes à côté. Ça prend une tonne de place. C'est horrible. Et en fait, je crois que ça équivaut en gros. Niveau accrocheur et escalier. Ouais, parce qu'il te reste pas de reste en fait. C'est juste que j'ai pas de mine en fait là, pas assez de mine. Mm-hmm. Et les géodes, voilà, les géodes, tout ça, tu traites sans sortie. C'est au level géode, c'est plus tard. Ouais, mais je veux dire, en tant que tel, c'est ça, tu le mets sur le côté, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que j'ai produit déjà en très peu de temps là? Ouais. Hop. Ça avance, ouais, c'est pas pire. C'est pas pire, c'est pas pire. Hop, allez, je repars, je suis un danger public. Alors, par où est-ce que je peux traverser par contre? Hop, et voilà,
J'essaye d'éviter une forêt, je tombe sur les arbres. C'est moins gros. C'est moins gros. Ah, c'est bon, il y a un chemin de ce côté-là. Au moins, c'est bien, tu vas me creuser un chemin pour moi plus tard. il va falloir un tank pour ça. Ah, bah, j'avoue, le tank, tu contournes pas les forêts. Hein. C'est ça. Je reviens de ce côté-là, ça c'est bon. Ouais, maintenant je comprends pourquoi Bartus et Frontard, vous vouliez pas mettre les flotation cells en haut et tous ces trucs là. Ça prend pas mal de place. Ok. Donc si je mets ça comme ça, des 7,5 par seconde en minerai en infini lingé. Ouais. Ok. Si je mets ça comme ça. Je peux aller sur quelle largeur en fait? Alors, on regarde. Je peux en mettre une là. Une là. 3, on va dire 4 de large à peu près. À peu près assez serré. Je pourrais en mettre 4 et ça sera à peu près correct. À peu près correct, sauf qu'il faut que j'en mette deux fois plus sur le coup. Il faut en mettre deux fois plus. Alors, on va faire plus. Ah, d'ailleurs, la production est pas super rapide, comme on avait dit. Donc voilà, l'eau purifiée, il va falloir l'amener des côtés. Hop. Ça serait bien, je me connecte à votre énergie plutôt que rester sur la mienne. Ouais, c'est vrai que tu devrais faire ça. Hop. Excusez-moi. Bon souhait. Merci. Que depuis bien. Alors, ma base, je tourne au charbon de bois. Hein. Ah ouais, c'est pas la meilleure source. C'est du charbon de bois en fait, c'est le bois que je les tuyaux de bois que je vous ai piqué tout à l'heure. Ah ok. Ah ok. C'est bon alors. Ok, donc ça s'arrête comme ça. Tac. Il existe un bon carburant quand même. Hein. Ouais. Alors là, il y a entrée-sortie. Je sais pas combien il m'en faut sur le coup. Il faut 4 lignes, aussi pareil comme en bas. Sauf qu'il faut qu'elles soient plus larges. Donc là, on en a mis combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il m'en faudrait 18 de haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, et voilà, 18 de hauteur, c'est pas pire, ça va être horrible comme usine ça, hop, entrée-sortie à chaque fois. L'électricité, je vais le mettre sur le côté, je pense. Hop. Ouais. Ah non, c'est bon, il se place comme il faut. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, les petits tuyaux. Okay, la chlorure, c'est de l'eau salée en fait, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu dis? Je voulais savoir ce que je pouvais faire avec la. Parce que je détruisais tout à l'heure la chlorure. Mm-hmm. Je pouvais faire de l'eau salée en fait. Ok, mais en tant que tel, c'est pas plus utile que ça. C'est complètement inutile plutôt. Voilà. Ok. Ça va par là. Commence à démolir ça. Ah, par contre, je pense que j'ai mal placé. Alors, j'espère pas parce que sinon ça va être super long. Ok, oh. En fait, ma machine est bouchonnée à cause des clarifleurs. Mais pas assez. Ok, c'est vrai que c'est un peu bête comme raison. D'ailleurs, moi j'ai pas, donc on va dire que c'est correct. Ah, super, oh, j'ai les chiffres.
8 floating cells suffisent pour 2 horcrushers. Alors c'est du 4 pour 1. Ouais. Ah non, mais là il faut que je double la hauteur encore. J'ai les 8 qui tournent et j'ai que 2 horcrushers qui tournent. Ah non. Factorio, Angel, ratio pour voir. Y a bien quelqu'un qui a dû faire un beau petit graphique avec les ratios. Bien, j'ai plus du tier 1 chez moi. Ouais, voilà. Ok, c'est ça. 4, un crusher pour 4 flotation. Ah, ensuite, c'est 4 leeching. J'ai aucune idée c'est quoi ça, les leeching. Ok, c'est le truc d'après. Ouais. Ensuite, c'est 2 raffineries et 1 sorteur. Voilà. Ok. C'est pas pire. Mm-hmm. Donc, il faut encore que j'aille 2 fois plus haut. Pas de soucis. Pas de soucis. Ok, donc ça ici. Ah, je me demandais pourquoi j'étais aussi lent à enlever les objets. Ouais, j'ai plus de pioche. Ah oui. Voilà. Manu, c'est long. Un peu. Voilà, là j'ai des pioches pour un petit moment. Donc. Cela va tourner aussi. Celui-là, sur le coup, il va aller là. Hop, laisse un petit espace de ce côté histoire de pouvoir faire placer tous les tuyaux. Et donc ça, ça va arriver ici. Sur le coup, par contre, puisque la quantité est pas énorme, je suppose que je vais pouvoir peut-être réussir à le faire marcher avec, voilà, une seule ligne rouge, ça devrait marcher aussi. Je pense. C'est juste que ça doit être très lent. Ouais. Donc, 2. Alors, saphirite, eau purifiée. Ensuite, ça va donner quelques géodes, mais ça donne presque pas de géodes. Donc, ça, c'est pas pire. Ça devrait pas être un énorme souci. Donc, au milieu. Ouais, les géodes, ça se remplit vite en vrai, quand même. Ouais, bon, ça fait 0,6. Donc, c'est moins que la pierre en tant que telle. En tant que telle, c'est moins que la pierre. Mais vu que tu n'utilises pas le stockit, ça monte vite. Oui, mais je veux dire sur le tapis. J'en ai déjà 1000, hein. 1000 bleus, 1000 rouges, moi, à la maison. Ah, c'est pas mal. Et j'ai produit à peu près 2000 de cuivre. Ouais. Ouais. Okay. En tout cas, il faudrait que je double encore ma ligne en hauteur sur le coup, mais je vais pas faire ça tout de suite. Ça me tente pas de le faire tout de suite. D'ailleurs, avec les bonnes technologies, les géodes, tu peux les reconvertir en minerai plus tard. Hein. Sinon. Ouais. Ouais, mais c'est pas tout de suite, c'est ça le souci. Mais c'est mieux d'utiliser le slag au final, ça revient au même. Mm-hmm. Ok, alors ça, je descends ça jusqu'ici. Ça, on va le remonter. D'ailleurs, au final, vous jouez tous les week-ends, en gros, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tata. Ensuite, ça, je vais le passer. Attends, comment je fais pour le passer sur le côté, par contre? Parce que là, il va y avoir des lignes tout le long. Voilà, ici, il y a une ligne. Ici, il y a une ligne. Voilà, parce que lui va arriver comme ça. Ouais. Et celui-là va arriver ici. Comme ça à peu près. 1, 2, 3, 4. Il arrive. Là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est bon. Donc, c'est lui qui va arriver comme ça. Voilà. Non, ça, c'est le dernier. Donc, c'est pas lui. 3, 4. Voilà. Ok. Ça marche. À peu près, on va dire. Attends. Nombre de tapis que j'ai utilisé. Voilà. Hop. Ici, pareil. Ok. Bon, là, il reste trop de trucs à enlever. Donc, l'électricité, je la fais passer comment? Disons, ici. Ici, là, est-ce que je peux la faire? Non, je peux pas la faire passer de l'autre côté. Ça, c'est bon signe.
Hop. Voilà. Voilà. Un petit peu des deux. Bon, sur le coup, je vais le faire passer avec des gros poteaux. Hein. Hop. Les bons gros poteaux. Attends, j'ai tellement épais le tapis que je suis pas capable de faire passer l'électricité. Ok. Donc ça, ça arrive jusqu'au flotation cell. Ensuite, je vais avoir besoin de toute mon eau pour faire tout marcher. Ça, c'est autre chose. Sur le coup. Même la base, quand tu fais la position, tu vois même plus la base. Hein. Hmm. Ah ouais. L'usine en fait que je vais faire là, elle va être aussi grosse que la base pour pouvoir donner assez de minerais pour fournir à la base. D'ailleurs, c'est quoi ce qui pollue autant dans la base? Les fours, sûrement. Ouais, ça doit être ça, ouais. Vous en avez beaucoup. Martus, toi, t'es en train de travailler sur quoi en ce moment? Plastique. Plastique, ah ah. Tu réussis à le faire? Je pense, on verra après si ça sort. Ça sera le moment de vérité. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fond? Est-ce que ça marche pas? Hop. C'est drôle. Hop. Hop. Pareil de ce côté. Le jour, il faudra faire un petit mur pour la base, par contre. Histoire de pas commencer à se faire attaquer de tous les côtés. Ok. Voilà. Ok. Ensuite, ensuite. Tuyau. Quelques autres tuyaux. Voilà. Ça, ça va passer ici. Ah, j'ai hâte d'avoir les robots. Ce sera un petit peu plus rapide à faire. Ok. Ensuite, deux... Oh non. Oh la bêtise. Non, j'ai tout, je dois tout décaler d'une case vers la droite. La boulette. Bon, tant pis. Hein. Je ramasse tout. Allez, j'arrive pour placer mes bras et là je réalise d'un seul coup, j'ai plus de place. Dommage. Dommage, dommage. Tellement loin à tout ramasser. Oh, d'ailleurs, ah.